C'est revu. Servi, please ask your question. Unmute yourself, Servi. My question is, I just want to know from Mr. President, how difficult was the situation from 2001 up until 2018? And, you know, in short, all the challenges before he'll leave the power. That's my question. Thank you, Servin. That was crisp and to the point. Excuse me? No, thank you very much. That was short and to the point. Okay. I just want to know two or three challenges, you know, from 2001 up to 2016, security issues. Am I heard? Yes. Yes. Yes, we got that. Yes. So that's my question. Ambassador Mashimbuye. Ambassador Ntsiki Mashimbuye, I see your hand. Can you hear me? We can. I need to start by thanking you, Professor Chris Landsberg, for this initiative. It's an incredible thing you have done. But I must thank President Joseph Kabila Kabange. President Kabange, I have had the honor and the privilege of being accredited to you as South Africa's ambassador to the Congo. President Kabila, you have rewritten the script. After your presidency, you live in the Congo. You live safely and peacefully in the Congo. That is unheard of. Many presidents in our continent had to flee their countries after their presidency. You didn't do that. You allowed a peaceful transition to another government, to another party, to a different dispensation. You ought to be congratulated, President Kabila Kabange. I want to personally, on behalf of my republic, thank you for that. President Kabila Kabange, you have done something amazing, which is how to bring together all the parties for the sake of reconstruction. That is something to be lauded. And I do hope you will write a book, because your experience as a very young leader of that big and powerful country is an experience that belongs to others. I do hope that Professor Landsberg will work with you to write a book that would be for the interest of many to come after us, to say what it is that you need to do. You understood that you have to come into office, but at some point you must leave. I want to applaud that. President Kabila Kabange, it's been an honor serving as an ambassador of the Republic of South Africa accredited to you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ambassador. We're going to take a few more. Just mute yourself, Ambassador. I saw
and I'm quickly, and I'm purely going on the basis of the names as they appear in front of me. I don't have a special list. So, Lucian Ramazani. Lucian, over to you. Unmute yourself. For the floor. All my congratulations to the one we call the race in the DRC. So I wanted to ask some questions. In a state called the failed state at DRC, can we not say that these 18 years of our rais filled with promises gave birth to a mouse? And how can we understand the silence of a leader in a context of permanent insecurity in DRC? That's the question of the rais. Thank you. Thank you very much, Lucian. Mr. President, you got that, right? Yeah, okay. You do. Lucian? Yes. Lucian, just repeat that, please, briefly. The first one or the second one? Second one. Yeah, the second, it's how can we understand the silence of a leader in a context of permanent insecurity in DRC when he was the rais of DRC, when he was the president of DRC, how can we interpret the silence of a leader in a context of a permanent insecurity? Are you saying the current president? Are you saying President Kabila? President Kabila, the rais, the one we call the rais. We interpret? And can we understand the silence of a leader in a context of a permanent insecurity? Thank as in Beni, in Goma, in Bukavu also. Thank you a lot and congratulations to the rais. Thank you very much. Let me take one more for now. Elaine? Elaine, are you there? Elaine, we can't hear you. Unmute yourself. Okay, I'm going to move on to somebody, one last one for now. Arina Muresan. Unmute yourself, ask your question, please. Sorry, Professor. My computer was a little bit slow. Thank you very much to yourselves for organizing, you know, the opportunity to discuss this with a former president. I would like to ask specifically South African agency and foreign policy. Specifically, if Africa. Arina, sorry to interrupt. I'm so sorry to interrupt. Could I just ask the rest of the participants, mute yourself. Thank you very much. So just to come back to African agency and speaking from common positions as Africans with one voice, where does the DRC's agency lie in contributing to this overall African agency? Thank you. Professor, your mic is off. We can't hear you anymore. Professor? Is that better?
Much better, much better. Thank you very much. Excellency. Well, thank you for the four questions, I believe, four, five questions. Comments, of course. The first one from, I believe, Seraph, how difficult was the situation from 2001 to 2018, and what were the two challenges? Well, briefly, the situation was difficult, dramatic. You can qualify it as you want. It was an unpleasant situation. I don't know very many countries that have been divided close to 5 years in a number of areas with armed groups and foreign armies now occupying those, with millions of people died from famine, war, etc. So that was how difficult the situation was. I think the person who are sharing have his microphone mute, so if you can unmute it. We lost even contact with them. I mean, it's down to the admin. No. But how do I control the head? Yeah, sorry, we can't hear you. We lost the total contact. I don't know if we have a problem or what. I think it has to do with our Cybron microphone. Mr. Cybron, can you unmute your microphone, please? Yes. Yeah, that's fine now. That's fine now. Is that okay now? Yeah, that's fine, yeah. Perfect. All right. Thank you. I was answering a question from Seraph about how difficult the situation was, and I stated the situation was not only difficult, it was dramatic. But the two challenges, probably the most important question, what were the two challenges from 2001 to 2018 in different phases? The first phase, the most important challenge was definitely the reunification of the country. We could not envisage anything without the country reunified as one Democratic Republic of the Congo. And when that was achieved in 2002-2003, the next most important challenge was the integration of
all the combatants, 300,000 of them, in one national army, one national police, and the security forces. And of course, that was the beginning of what I call the building of our institutions. To me, those were the two most important. A comment from Ambassador Mashimbuye about a former president staying in his country, and he indicated alive, I believe. Mm-hmm. Well, that should not be an exception, Ambassador, and thanks a lot for your service when you are in the DRC. It should not be an exception. To me, it has to be. That's the normal situation that any nation, especially all these African nations, have to go through. As for the book, well, I'll take the idea on board, and we'll see whether we'll have the time. We have the content, we have the motivation, and we'll make for time in order for that to happen. From Lucien Ramadani, who talked about the silence. Why is there silence in the context of permanent insecurity in the DRC? Well, silence, I believe, is this. I learned this long ago. Silence is the longest speech that you can ever have. So, even though we are silent, we are also speaking. But the situation in the east of the DRC is a situation that has to be dealt with in a number of ways, a number of sectors. It's not just only the guns that will go and silence the guns. Yes. There are various approaches, various initiatives that are to be taken. But our silence is also sending a message. The last question, I believe, was from Marine. Alina. Thank you. And I believe, in order just to sum up the question, it's the role of the DRC in as far as Africa is concerned, the leadership in Africa. Currently, I believe that the Congo holds the chair of the African Union. It's the first time, the last time, I believe it was 40 years ago. The Congo has a role to play, no question about that, and a big role. Before you even talk of the African continent, talking of the Southern African region, the Central African region, and definitely the continent, we are founding members, the Congo, of what today is known as the African Union, but then it was the OAU. So the role of the Congo is an important one, geographically speaking, and as per its resources, not only the natural resources, but also, and today that's what's being talked about, the generation of green energy, most important being the great Inga Dam, in order to push the development of Africa full speed ahead, both in the Southern Hemisphere and, of course, the Central African region. These, I believe, I got the four names and the questions correct, and those are my answers. Excellency, thank you very much for that. So I'm going to take a few more hands. I just want to see hands, if I can see them, of course. Est-ce que mon temps là? Okay, Patrick.
Patrick Malambo. Yeah. Thank you. Thank you very much. I am proud to be part of the presentation. I have a question. The President Kabila, I remember before he left, like as president, he said that he, like his concern was to not be able to change 15 people around him. So my question is that if today, for example, according to the research the president did today, what could be done in order to change at least 15 people around him? Okay, Jean-Pierre Alumba. Thanks a lot, Professor. I would like first to congratulate the former President Joseph Kabila for his achievement. My question is, we used to see other presidents at the end of what they do to form a foundation which enables young people to learn how they were running the country and even in terms of the experience sharing. I want to know, is the President Kabila has already a foundation or is having in his mind to form a foundation so that the young people. Excellency, did you get that? I didn't get that. You didn't get that? No. Can you please repeat that? Sorry. Il va t'insulter bien comme il faut là, fils du diable là. And from his leadership, or is having in his mind to form it, because that is actually the practice of other former head of the state. He's muted. Est-ce qu'on me reçoit là? Honte à vous. Satan. Diable. Du diable, vous payerez pour. Vous avez. Fils du. Le vrai Congolais n'est fier de toi. C'est faux, tous ces gens vous flattent. Oui. They seem to be having a lot of I think now it's okay.
Professor, I suggest if you can control the sound on your side and mute every guest, and then you can only unmute them only then. Opportunity. But I think it's just very imperative for the sake of the president and ourselves that we, because of these technical glitches, bring it to a halt. And I will consult with the president on how we. And accept my apologies, and I take before that. I hope you do understand. We shall come back to you with a communication to everybody that has confirmed. I will also consult with the president. I hope everybody understands, but you shall hear from me in my office in the next 24 hours. Please do accept my humble and sincerest and professional apology, and especially to His Excellency, let me just apologize. We have to sort out these glitches. I hope you do understand. Is that okay, everybody? It is, Doctor. Sorry, Mr. President, we didn't hear you very well. So what's going on? The meeting would be canceled or? Did you say you didn't hear that? I believe I didn't get it very well. So I don't know if, are you going to cancel the meeting due to the small issue or what's going on? We are a bit lost. Yeah, I'm saying, I'm suggesting we close the session and I will communicate to you from my office in the next 24 hours whether there's another opportunity. I can't make a commitment because the president has a very tight schedule, but I will talk to the president and see if we can solve these matters, but I cannot guarantee anything. But please accept my apology. Yeah, that's all right. Yeah, we got it. And and we'll be very glad to apologize. The system just bombs out on us all the time. Please accept my apologies, and I'm now going to call this to a halt. We will send out a communication to you. Please accept my apology. Thank the president. I want to trust us. Okay, thank you. Thank you. Thank you. No, it's fine. All right. All right. Bye. 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 Diable. Bye. Vous serez jugé pour. Please unmute that guy. Ne t'en fais pas. Honte à vous. Honte à toi. Please don't give access to anybody. Honte à toi, Ndé. Mouloubazoba.
Oloba, honte à vous. Un débat scientifique, toi, tu viens pour insulter. Oloba, Zoba, honte à vous. Honte à toi, André. Un débat scientifique. Cher compatriote, s'il vous plaît. C'est une thèse. S'il vous plaît. Montons quand même la maturité, s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent ici. Nous sommes ici tous pour écouter. Franchement, arrêtez de ficher, s'il te plaît. S'il vous plaît. Il s'appelle Christian Kabasele. Il est bien identifié, il s'appelle Christian Kabasele. Kabasele, c'est normal. Il est bien identifié, ce monsieur-là. Il s'appelle Christian Kabasele. Ce n'est pas bien démontré de facilité devant les gens comme ça. Plusieurs pays nous suivent ici, ils sont venus pour écouter et non pour t'insulter. Comme ça, ils sont toujours comme ça. L'immaturité partout. Un débat est grave. Et c'est comme ça qu'ils détruisent le pays. Oui. Dans une thèse, tu commences à critiquer. Moi, je pense qu'on doit quand même avoir un esprit supérieur. Et c'est un peu on ne peut pas construire un pays. Excellence Kabila, je sais que vous êtes diplomatique, ne soyez pas perturbé par les esprits faibles. Du courage, ça c'est un exercice intellectuel. Ne soyez pas découragé par les esprits faibles qui tentent à perturber cet événement de grande envergure. Je pense que c'est tellement ridicule, ridicule. De continuer. Mais c'est une honte, c'est une honte pour la RDC, parce que dans ce meeting, il y avait... À un certain moment, on doit se dire quand même que, au-delà de nos petites divergences politiques, à un certain moment, il faut avoir le courage de respecter les gens. Il faut avoir le courage de respecter les gens et le minimum, juste, je dirais même, de respect, c'est dire on vient là juste pour écouter, on ne vient pas là pour, n'est-ce pas, faire si pas du militantisme à la sauvette ou comme des petits fous. Sinon, mes chers compatriotes, nous sommes alors la risée du monde. Nous sommes les plus ridicules. J'ai honte. Il y a ridicule. Dans la salle des gens qui tuer. Il y a dans la salle les gens qui n'ont rien à voir avec notre problème interne. Tous les jours, de quoi tu me parles? Quelle fierté on a? Fierté on a. Tous les jours, on massacre des enfants. De quoi tu veux me parler? Quelle fierté a le Congo aujourd'hui? À cause de mais qui? On est un peu comme les massacres, mais toi, tu dans fais un quoi? Auditoire. Toi, tu fais quoi? Quelqu'un soutient pour faire travail. Des gens qui sont à l'étranger, des gens qui ne sont pas concernés avec les vrais problèmes du Congo, des gens qui vivent des aides sociales à l'étranger, c'est mettre finalement à insulter les gens sur la toile. Ils viennent, ils embrouillent un débat scientifique, une discussion où les gens pouvaient poser des questions d'alors, et ils se mettent finalement à faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est tellement ridicule. Quel pays on est? Quel peuple on est? Quelle génération on veut créer? On ne généralise pas. Merci. Si on veut parler d'autre chose, on crée un cadre approprié. Monsieur soutient ses recherches et on vient crier. Pourquoi? Moi, le monde entier est en train de nous regarder. Il n'y a pas que les Congolais ici. Je suis alors vraiment respectons contre le travail d'autres personnes. L'argent, c'est parce que vous voyez l'argent, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Votre discernement. Votre discernement n'est pas le discernement qu'il faut avoir. Mais est-ce que ça, c'est un endroit de venir insulter les gens, messieurs? Même si les pays ne marchent pas, ce n'est pas ici qu'il faut venir insulter. Cher Christian, imaginez-vous en train de soutenir votre thèse et puis vous avez des gens à la fenêtre qui vous crient dessus. Il faut savoir respecter au moins les gens, au moins respecter la science. Exactement, c'est ça. Une passesse, vous avez collé la route à... Les gens, là, on parle de science, on ne parle pas de politique. Pas d'argument. Vous venez avec divergent. C'est scientifique, vous venez avec des
des théories là, on t'avoue. Un agissement de militantisme, un débat, scientifique. Ce sont des diplômés d'État qui... Tous les diplômés d'État qui sont allés à l'étranger là-bas, c'est ce qu'ils font. Même un diplômé d'État, jury oral, quelqu'un qui est en train de... Mais qui a fait l'université ne peut pas venir insulter les gens ici. Même un D6, lors de son jury oral, il n'a pas envie qu'on lui crie dessus, honte à vous. En plus, devant le monde entier, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas congolais, ce n'est pas africain. On doit respecter la science. MSC a étalé son éducation de base. C'est l'intérêt qui vous fait parler. Ce n'est pas l'intérêt, tu es là-bas. On vous connaît. Moi, j'accepte l'intérêt de la science. Vous êtes d'une versatilité sans précédent. Par intérêt que j'interviens, par intérêt pour la science. J'assume. Je suis là parce que la science m'intéresse. Et c'est par cet intérêt-là que je voudrais que vous puissiez vous taire. Pourquoi nous nous sommes connectés, c'est pourquoi nous avons sacrifié nos après-midi. Respectez toutes ces personnes qui vous demandent de vous taire. C'est aussi simple que ça. Par respect pour nous, taisez-vous, monsieur. Merci. Arrêtez de généraliser. Mais laissez faire la discussion. Ce genre de réaction, comment vous pensez que le président, le sénateur à vie pourra encore accepter de faire ce genre d'interaction scientifique parce qu'il y a des personnes qui ont une question intellectuelle, qui ne peuvent pas tenir un débat intellectuel, à se permettre à faire du militantisme. C'est vraiment une bassesse et une honte pour tous les Congolais. Bon, il ne faut pas généraliser, hein, ce n'est pas tout le Congolais, ça n'engage que lui. L'administrateur de simplement le bloquer. Faut pas généraliser, c'est pas tout le Congolais. Tous on est Congolais, tous on a écouté, mais personne n'a intervenu. Il y a les détracteurs. Alors ne généralisez pas parce que moi je suis Congolais. Non, arrêtez de généraliser. Ne soutenez pas cette fourberie, s'il vous plaît. Tous on est Congolais, mais il faut pas généraliser. C'est lui qui est con, il reste les gens, ces gens ne disent pas que les Congolais ont mal fait. Les gens disent qu'il y a un Congolais qui s'est comporté de manière à causer la honte. C'est ce qui est en train d'être dit. Pas que le Congolais se déshonore, mais qu'un Congolais déshonore les autres Congolais qui suivent. C'est ce qu'on est en train de dire. On est Congolais, on subit une humiliation qui nous est imposée par un compatriote, malheureusement. Là, c'est là que je suis votre généralisation, c'est ça? Je crois que c'est l'organisation qui aurait dû mettre en place un système où on contrôlait le micro de chaque personne qui parle. Et de là, laisser la parole aux personnes qui étaient interrogées. Je crois qu'il y a eu un problème d'organisation, mais aussi une impolitesse incroyable de cette personne. Oui, c'est clair que l'administrateur a failli, parce qu'il aurait fallu juste d'abord arrêter la personne et de le bloquer. J'aimerais aussi juste quand même dommage, la personne qui est en train de crier à vous. Oui. Est-ce qu'il va parler ou bien il faut qu'on... Nous voulons intervenir aussi. Dites-nous s'il vous plaît, on reste là ou bien nous on doit partir. Négatif. Je crois que le professeur a dit qu'il interviendrait dans les 24 heures pour voir quelle sera la suite de cette session. Vous voulez intervenir? André. Mon opinion est que je ne crois pas qu'il y aura une deuxième rencontre. Je vais vous répondre brièvement. Sur la bonne gouvernance et surtout le leadership dans... Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait au pouvoir? Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour le Congo? Donnez-moi juste une réponse, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur, toi, tu ne peux pas fermer ta gueule. Le débat. Tu ne peux pas fermer ta gueule. Mais est-ce que...
la question en fonction de la thèse et non pas nous ramener vos débats militantisme qui n'aboutissent à rien là. Il y avait des exactement. Questions qui étaient là et qui posaient des questions bien structurées. Vous avez une question, vous levez la main et on vous donne la parole. On ne peut pas se permettre à parler en ordre, c'est une impolitesse incroyable. Oui, en fait, nous voulons intervenir aussi dans cette réunion. Et je suis sûr que monsieur le perturbateur ne comprenait rien. Et du coup, c'est son esprit militantisme qui a commencé à sortir. Il n'y a pas de perturbation. Je vous dis ceci. Celui qui a dit qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo, il a amorcé les débats démocratiques. Nous avons un ancien président vivant et nous avons un nouveau président vivant. Ça, c'est un honneur pour tous, pour nous tous les Congolais. Nous devons préserver ça. Nous préservons Joseph, nous préservons Félix. Qu'ils soient tous vivants, qu'ils continuent à développer notre pays. Les querelles ne nous amènera à rien. À quel débat démocratique la personne a apporté là? Déjà, il n'avait pas la parole. Il y avait une autre personne qui parlait. Les us de politesse. Il n'y avait personne qui parlait. Il n'y avait personne qui parlait. Ici, il y avait quelqu'un qui avait. Il n'avait pas laissé. Il n'avait pas levé sa main pour prendre la parole. Il faut faire un.